Le 1er novembre 1954 commence en Algérie une guerre qui va durer 7 ans. En mai 1958, cette guerre provoque la chute de la 4e République, ramène le général de Gaulle au pouvoir. En avril 1961, éclate un putsch de généraux, fait unique dans l'histoire de France, puis c'est l'OAS. La France se croit au bord de la guerre civile. En juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Cette guerre a coûté 30 000 soldats à la France, morts comme cet officier que nous avons vu ramener par ses hommes. Je vous rappelle que 2 800 000 jeunes Français ont servi en Algérie. Monsieur le professeur Paulet, ancien résistant, est déporté. Oui, leur sacrifice aurait dû être évité. Cette guerre était inutile, une mauvaise cause, qui a démoralisé la nation en entraînant son armée aux pires exactions. Et même ce capitaine... Bon, écoutez, personne n'aime dire du mal d'un mort, et je préférerais avoir cet homme en face de moi. Mais puisque votre film s'achève sur... Ça démarre fort. Le prof attaque dur. Eh bien, même ce capitaine était un tortionnaire et un assassin. Vous insultez gratuitement un officier mort pour la France. Et qui a torturé au nom de la France. La torture, vous n'avez que ce mot à la bouche. L'armée en Algérie n'aurait fait que torturer. C'est un mensonge, c'est de la propagande. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas qui était ce capitaine. Et Marcel Caron, capitaine, commandant la 2e compagnie du 423e bataillon d'infanterie alpine, ex-instructeur à Arzeux, école de guerre psychologique. Caron, Marcel Caron. Et c'est lui que vous osez insulter. Et vous, mon général, vous laissez faire, vous aussi. Caron servait sous vos ordres. Il est mort sous vos ordres. De l'autre, on peut s'attendre à n'importe quoi, mais de vous, vous me dégoûtez. Je ne sais pas ce que je suis venu foutre ici. Nous vous avons invité, non, pour parler d'un... Tu m'envoies la diapo. Mais pas celle-là, abruti. C'est du type en qui bourre. C'est lui dont il parle. Moi, j'estime que le cas du capitaine Caron est exemplaire. Pour moi, c'est une référence qui permet d'illustrer concrètement toutes les aberrations de cette guerre. Et... je peux intervenir tout au long de ce débat. Oui. Les accusations... Oui, Pierre, oui. Général Garnier. Oui, j'ai entendu. Cadre de réserve. Les accusations que vous portez sont... Oui, ça continue d'ailleurs. Je sais que quelques officiers se sont... Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, il a le droit de dire ce qu'il veut. Ils n'ont pas. Je sais de qui... Je prends pas sa défense, Pierre, je te dis, ça te moque. Attends, attends. J'ai accepté de venir ici pour parler de mes choix, le Push et l'OS. Pas pour entendre insulter un de mes camarades. Bonjour, Jean-Pierre. Je suis le bon apôtre, je ne vous salue pas. Voilà. C'est Guillou, furieux, qui quitte le plateau. Ton père était l'homme le meilleur que j'ai connu. Ses camarades disent que c'est le meilleur d'entre eux. Alors... Pierre. Commentez cette phrase de Nietzsche, l'enfant est le père de l'homme. Je ramasse les copies dans 2 heures. Mais madame, c'était pas prévu? La prévue, mademoiselle, fait partie de la vie. Qu'est-ce qu'il y a encore, Berthoud? C'est un contrôle officiel, madame? Oui,